Eh bien, salut à tous, c'est Moti955 et j'ai envie de vous dire bonjour et bienvenue au Maillon Faible. Non, je plaisante bien évidemment, aujourd'hui on est sur du Assassin's Creed 3 et on est parti pour le deuxième épisode et voir pourquoi pas, je vais enchaîner le troisième, on verra. Voilà, on verra bien. En tout cas, on s'était arrêté là, si vous vous rappeliez. Et on devait aller rejoindre notre ami Charles, je crois, un truc comme ça. Je me rappelle plus, enfin bref, on s'en fout un peu. Et l'émission s'indique avec le petit point jaune qu'on voit sur la carte, la mini-carte, tout en face de nous, quoi, quand on voit. Donc c'est parti les amis, on y va. Et on est même arrivé. Maudit voleur. Ah, cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détrossé par les crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Ethan Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon... J'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique, là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Bon, voilà, collectionnez les pages de l'almanach. Il y a une info 4, apparemment, je crois. C'est réparpillé, je crois, dans la ville, il faudra les trouver. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'arrivée de la mission. Donc, on va y aller tout de suite, comme ça, ça sera fait. Et, merde, j'appuie sur carré au lieu de rond. Ça va pas le faire. Bonjour, monsieur. Et je vais vous parler d'autre chose après. Monsieur Désir ? Bah écoute, rien, mais en fait, on va acheter quand même quelques trucs. Vas-y, c'est bon. Équipé, arme à feu, pistolet. Ouais, ça peut être sympa. Super. Nickel. De toute façon, il n'y a que ça. Allez, montez à cheval et suivez Charles Lee au Green Low. Ok, pas de soucis, on y va. Nous allons au Green Dragon, l'intérieur. Pas ceci, on y va, je te suis. Mais discret, et leurs chambres sont grandes. T'a-t-on appris la raison de ma présence à Boston? Non, Master Birch m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Pour peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à nous suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Si vous n'avez besoin de rien... Bon, vu qu'ils ont fini de parler, moi je vais vous dire... deux, trois petites choses en même temps. Je tiens à vous dire que j'ai changé mon intro, j'ai changé mon background de YouTube, j'ai changé mon emblème qui devrait bientôt se terminer. Enfin, actuellement, il n'est pas encore terminé, mais ça devrait tarder. Et je vais mettre tout ça en même temps. Et j'ai mis un petit truc pour la fin. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la vidéo de dimanche sur Assassin's Creed qui... Alors attendez, parce que je l'ai perdu de vue. Ah, ok. Je l'ai mis et j'ai mis à la fin une petite fin. Une petite fin très sympathique, ma foi. J'ai bien aimé.
J'espère que vous aimerez bien, juste pour la fin, un petit truc pour bien finir, quoi. Pas qu'on je vous lâche comme ça, poum, poum. Et il n'y a plus rien, quoi. Une image qui s'envole comme ça, c'est pas Menteur, tellement fatule. Bien. Espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Oh, pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Vous voulez à manger, à boire, peut-être ? Ou peut-être bien un lit ? Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui. Bien sûr. Messieurs Lee et Kenway. C'est ça ? Je vais monter vos sacs. Aurez-vous besoin d'autre chose ? Non, on nous laisse. Bon. Oui, donc je vous disais, une vidéo qui finit net, comme ça. Je trouve ça pas tellement superbe. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter un tout petit truc à la fin. Un petit truc pour dire, fin. C'est pas grand-chose, mais au moins, ça finit bien. Et y a beaucoup de discussions dans ce jeu. William Johnson. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris ? Mon associé, Thomas Siki, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien, dites-moi où il se trouve, et je tâcherai d'accélérer les choses. Les rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Sir ? Nous devons partir, bien sûr. Bon, on doit partir, donc on va aller où, j'en sais rien. En tout cas, je ne peux pas courir, ni sauter, ni quoi que ce soit, donc on va y aller en marchant. On est obligé, de toute manière. Ah, ça fait plaisir, un petit Assassin's Creed avec vous, les amis. J'en rêvais depuis pas mal de temps. Enfin, faut pas exagérer. Non. Ça me fait plaisir, mais de là me donner du plaisir, attention, non. Bon, voyons ce qu'il veut. Ah, je tiens à dire que j'ai toujours les paroles en décalé. J'ai plus en double. Qui me demande ? J'ai voulu ajouter ça sur ma PS3 et bizarrement j'ai eu encore un problème. J'arrête pas d'avoir des problèmes. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Il n'y a rien besoin de hâter. Et puis ravaler votre copain de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ses serveurs. Alors, qu'attends-tu pour agir ? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. J'ouvrirai le feu sur eux, chargés. L'effet de surprise durant en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Oui, aïe, aïe, ça commence bien. Hop là. Prenez position. Alors, comme je disais... Mon premier coup de feu. Comme je disais, j'entends les voix en décalé, donc... Alors,
oui, ça paraît bizarre, mais je m'en rappelle plus. Je comprends pas. Je veux bien savoir. Premier coup de feu. Ah oui, d'accord. L'air de... Ouais, en fait, c'était là. Je suis con. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va tranquillement. Oh. Ok. Voilà, fallait que je m'en rappelle. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Nickel. En arrière. Repliez-vous, abritez-vous à l'intérieur. Et maintenant, nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus. Alors je tiens à dire que ce n'est pas lui qu'on va manipuler tout le temps. Eh oui. Voyons, qui a-t-il ? Hop, on va monter. Ah ouais, non, c'est en bas en fait. Alors, voyons. Oh oh. Posez vos armes, et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Alors ça paraît pas, il y a des petits bugs qu'on voit comme ça. Je m'impatiente. Moi aussi. Oula. Oh. Ah. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous ? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Etan, alors comme celui-là je est voulais encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Rentrons au comme je voulais. Comme je voulais vous dire, en fait. Et on vous l'a expliqué dans chaque résumé, les Templiers et les assassins se font la guerre. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Allez, c'est parti, attends. Hop. Hop. Nickel. Oui. Les cadavres ont sûrement les poches pleines. Ce serait un... Ils sont toujours en train de parler, ces gens-là. Ils vont mais pas me laisser parler. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Ah ! Pourquoi faut-il... Tout ça.
Ouais, donc en fait, les assassins et les templiers se font la guerre. Et bon, les gentils, ce sont les assassins, et les méchants, les templiers. Nous sommes en train de diriger actuellement Kenway. Kenway, je sais plus comment, il y a un nom bizarre d'ailleurs. On est trois là à être des templiers. Ouais. Voilà. Ah non, c'est bon, je croyais que c'était un méchant. Autant pour moi. Ouais, donc du coup, on dirige les Templiers. Et pourquoi? Alors qu'en général, on dirige toujours des assassins dans chaque... Et ben, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Je sais pas si je l'aurais traversé, si j'aurais passé ce niveau avant la fin de cet épisode. On verra bien. Au pire, je veux pas vous dire parce que sinon je vais spoiler la fin. Ça sert à rien. Donc, j'attendrai avant de dire. Arrête-les, Thomas ! Tout de suite. On dirait des fillettes affolées. Hop là, en travers de la gorge. C'est quand même gore, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà. Allez. Je ne peux pas de là ou quoi? Allez, en pleine tête mon titi. Voilà. Oh. Ok, bon, j'arrive. Avec eux. En fait, c'est pas si difficile que ça. C'est parce que je voulais les tuer au pistolet et du coup, ça n'a pas été possible. Enfin, c'est pas du Call of, hein. Alors, c'est loin d'être du Call of et du coup. Ah! Après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages s'il veut que je reste à son service. Ouais, du coup, on doit faire bien les choses, sinon, vous voyez, j'ai tiré une balle en pleine tête, ça a pas marché, c'est bizarre. Hein, vous êtes témoin. Et on va se taire. Voilà votre coffre. Merci, Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? La tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Canyon Geaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute.
Je vais m'y atteler. Thomas ? Quoi ? Prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici quelque temps. Bon, apparemment, on va rester quelque temps ici. Séquence 2, la course de Johnson. Mission accomplie à 100... Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, c'est pareil que GTA, il y a des missions secondaires, il faut les accomplir. Mais c'est tout en même temps que les missions principales. Donc, on peut quand même essayer de les accomplir. Hein. Il y aura pas de souci. Et je vais enchaîner. Hein. Ça doit être lui. Ah non, c'est pas lui. Autant pour moi. Alors on va aller en... On va retourner en haut, ça se trouve c'est en haut, hein, tout court. Je voulais descendre, mais ça se trouve c'est en haut. Bah oui, c'est en haut. Que suis-je bête ? Allez, c'est parti. Et je vais vous dire encore autre chose après. Après. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, on vient de se quitter. Oh, dégueulasse. Allons, Charles, il est plutôt attachant. Alors, oui, je... Catherine, au travail. Viens par ici. Perce-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recrutait. Bravo, Charles. Eh ben... Donc c'est parti, on va repartir à nouveau et moi je voulais vous annoncer un petit truc. Je voudrais faire du live sur Twitch. Si ça pourrait intéresser quelques mondes, alors je vous dirais là... Par exemple, je pourrais vous faire du Assassin's Creed si vous voulez. Je peux faire du Black Ops 2, je peux faire un petit zombie en live. Je peux faire n'importe quoi, c'est comme vous voulez, après, à vous de voir, vous me dites oui ou non, et on se fera ça tranquillement. Et je vous tiendrai au courant de la date et de l'heure, si vous me suivez sur Twitter, Facebook, et même en vidéo, je vous le dirai. La personne. Merveilleux. Charles. Sir? Ça ne se fait pas, quand même. Non, mais... Ouais, j'entends toujours les paroles en décalé, du coup, je peux réagir différemment. Bon, j'essaie de chercher Monsieur Church. De dire les choses avant, mais c'est pas évident. Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Bien. Je vais te montrer. Bon. Allons voir ça. Ah, en fait, il faut rester dans le seuil du quartier, là. Hop. Peut-il écrire à sa famille, d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos affaires. Pour écouter. De ses derniers métiers, chez Walker et Associés. Ça. Et trop sous pour se conduire comme ça. Et en plein jour. Ce vendredi à la nuit tombante, au Blue Board, tous les membres de cette honorable fraternité sont priés d'y assister. J'allais me dire, mince, je ne bouge plus, comment ça se fait? Quelle conduite scandaleuse pour un homme promis à devenir chirurgien. Mais c'est pas sa vie à faire la noce.
Quel spectacle ! Les parents de Benjamin seraient mortifiés ! Je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que sa réputation ne soit irrémédiablement souillée. Ils sont partis au nord-est, ils sont tous à la recherche d'une taverne ou d'un autre lieu de perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Ok, je vais prendre de la hauteur, alors c'est parti. On va aller prendre de la hauteur, parce que j'aime la hauteur. Hop. Ouais. Ah, il veut que j'aille à l'église. Ok. Donc en fait, j'ai un peu de kilomètres avant. Hop là, un mur. Hop là. Hop là. Allez, vas-y. On arrive à l'église, on va... En fait, il faut monter tout au sommet. Et oui, comme je vous disais, on a des endroits où il faut monter pour aller débloquer une partie de la carte. Et là, j'en sais rien. Là, ça va être pour écouter. Ça fait partie de la mission, je suppose. Mais je crois que ça va être aussi un truc pour... Ouais. Quand vous voyez des pigeons, de toute manière, ça fait partie du système à débloquer les cartes. Donc, logiquement, ça devrait être ça. On va regarder ça tout de suite. De toute manière, il va y avoir l'histoire et en même temps à débloquer là. Alors, eh oui, ça se rétrécit de plus en plus et à la fin ça devient de plus en plus difficile. Mais on y arrive quand même. Hop là! Synchronisé. Et quand ça fait ça, ça débloque la carte. Eh oui! Il suffit de tendre l'oreille. Avec un peu de chance, l'un d'eux sait ce qui est arrivé à Mr. Church. C'est moi ou je... Ah ouais. Ouais, en fait... Je comprends pas. À chaque fois je fais les jeux avant, et à chaque fois je me rappelle jamais de ce qui se passe. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'il y a derrière. J'ai demandé aux prières, mais personne n'a rien vu. Bien entendu. Sale merde. Depuis j'y fais. Ah mince, espionnage manqué. Bon, c'est pas grave. Désolé pour les fois que je ne dis rien du tout, mais j'essaie de me concentrer parce que c'est vraiment un jeu de concentration. Et du coup, on doit essayer de faire ça au mieux possible. La première fois, j'ai fait ça, mais haut la main. Et là, je sais pas, je comprends pas, j'y arrive pas. Donc, on va voir. On va pas faire que des échecs quand même. On va se faire ça tranquillement, mais sûrement. Surtout que, en fait, ça va devenir mes amis, les rouges, là. Voilà. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce quartier. Tu as raison. Les rues brûlent de voleurs et c'est les rats. Voilà. Quelques-uns, pas plus tard qu'aujourd'hui. Si vous n'avez besoin de rien, je ne l'ai pas en stock. Vraiment ? Ça s'est passé près d'église. Un groupe d'hommes est arrivé en courant et soudain, l'un d'eux est tombé à terre.
des câbles blessés. J'ai voulu vérifier s'il avait besoin d'aide, mais les regards de Valency m'ont vite dissuadé. Estime-toi heureux. Il y a des gens avec lesquels il vaut mieux garder ses distances. Ok, on va aller de l'autre côté, du coup. Voilà. Hop. Ah ouais. Chute de l'ange. J'ai demandé aux prières, mais personne n'a rien vu. Bien entendu. Ça demandait. Bah, depuis j'y vais. Les suppliés, ils se moquent bien des menaces. Les actes en disent plus long que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers s'enfuient, et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire. Si cette ville est fière de protéger les gredins, qu'elle en paie le prix. Ok. Ok, maintenant il va falloir que j'espionne. La discussion des gardes. Oh merde. Oh merde, j'aurais pas dû le tuer. Oh là là, s'en fout. Ok, je vais être obligé de les tuer. Oh là, on va tirer la garde. Allez. Hey, tu peux aller où, toi ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, le bug ! Oh, le bug ! Il est là-bas ! Rien du bon. Le père était avec eux. Ouais, c'est ça. D'après ce qu'il dit, le père travaille tous les jours, tendance à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. Qui est cette crapule ? Et voilà, Church. Nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur. Où avez-vous appris tout ça ? Les enseignements sont obligatoires dans l'éducation que je reçois. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Oh, il a du mal, là. Pas. On va aller voir le petit point jaune. Hop, on a plus... Ah ouais, en plus, il faut que je reste à côté de mon allié. Oh putain, il est long. Allez. Allez. Allez, papy. En plus, tu vas te faire remarquer, toi. Pas survécu, pardon, messieurs. Pardon, pardon. Pardon. Je m'excuse. J'en ai vraiment pas fait exprès, messieurs. Priez-moi de m'excuser. Prudence.
L'endroit est il faudra être discret. Ciblez votre cachette. D'accord. Hop. Ah ouais, ok. Je me rappelle à peu près de ce qu'il fallait faire. On va se cacher là. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh le con. Ok. On va aller par là. On va y aller tranquillement mais sûrement. On va progresser comme ça. Allez, c'est parti. Hop là, on est arrivé. Terminé. Fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici. Oh là, je sens mal. Oups. Bon, je crois que c'est mort pour celui-ci. Franchement, j'en ai vraiment pas fait exprès. Oh le con, en plus il sait même pas nager. Oh merde! Oubliez-moi! Je ne fais que passer! Oh, c'est mort. Bon, le prochain, je ne le tue pas! Alerte! Oh putain. C'est pas grave. Ouais, salaud. Je l'ai enlevé. Forcément, il y avait un drapeau là. Donc il faut que j'y aille comme ça, tranquille. Allez, allez, allez. On se dépêche, mon petit. Allez, allez. En espérant que celui-là, il va y avoir quelque chose de facile. Toi là-haut, descends. Oh le con. Bon, attention, il faut pas toujours sauter parce que. On peut se tuer quand même. Bon, ça. Heureusement que c'est qu'un jeu parce que sinon. J'aurais été mort. J'ai tué les deux. Rien. Nous y voilà enfin. Voyons. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin ? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cette affaire. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté.
Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si je lui coupais les mains? Ce serait fini. Oh bah non. Oh. Ah bah non, pas les mains. Oh la langue. Les commères. Ou alors, je le castre. Ça oh non. Passerait l'envie de nous baiser. Oh non. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais-les croire. Oh, attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh là là. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je crois qu'il va le tuer. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cutter. Tu le regretteras, Silas, tu m'entends? J'aurai ta tête! Non. Cela m'étonnerait fort. Oh, et voilà, il l'a tué, malheureusement. Tu dois être fier d'avoir élevé un sauvage comme toi. Toi, il faut que je le fasse. J'aurais dû commencer par l'autre. Je l'admets, j'ai pas été très malin sur ce fait, sur cette opération, sur cette mission. Ne pas étage, Cutter. Et j'en suis fier. Tiens-toi tranquille. Il faut que je décide de reconnaître. Hé ! Par ici, bande de sauvages ! Allez ! Non, il l'a pas. Il l'a pas. Ah ouais. En fait, le plus dur dans Assassin's Creed, avant un combat, c'est de prendre son épée quand on a le revolver. Ça, c'est hyper galère. Qui êtes-vous ? Ethan Kenway, pour vous servir. Ethan Kenway, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous ici? Suivez-moi, Mr. Church. Je vous expliquerai tout. Tout sur le zizi. Je vous dirai tout sur le zizi. Le grand, le petit, le col roulé. Big up à toi, Christophe. Tu me reconnaîtras. On parlait de ça récemment. Attention. C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage. Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernière recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Bon. On continue. Eh oui, il y a beaucoup de missions, de dialogues dans ce jeu. C'est pour ça que je peux pas parler de trop. Mais ne vous inquiétez pas. Après, on aura plus de temps. Qu'est-ce que vous faire ici ? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Alors, voyons. Comment as-tu fait ? Rappelez-vous, monsieur,
Je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Alors pour l'instant, ça reste assez calme encore, hein. Même si on a eu 2-3 petits combats comme ça. Mais l'histoire va devenir de mieux en mieux, et croyez-moi, on va s'y accrocher. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Bah, qui va se faire tuer sur le champ? Et quand comptiez-vous vous annoncer? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Mais faites-toi. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son sceau et vous échapperez à la... Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Étable. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines. Et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes. Oulala, là là, ça pue tout ça, hein. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Je suis fatigué, moi. J'ai à peine dormi. Père, enlevez monsieur... Ah si, j'ai dormi. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Alors, ça serait bien que la mission s'affiche quand même. Ça me rappelait tout de mémoire, comme ça je m'en rappelle plus. Les églises servent de refuge aux sans-abri. Dieu protège le roi. Où peut-on aller? Pourquoi pas à Marlboro? Les habitants sont heureux. Leurs maisons sont belles et leurs vies sont douces. Alors, Lynn, j'ai vu. Oui. Ah, bah, cible repérée, mais en même temps, il est mort. Là, du coup. On peut pas me le dire. Faire. Enlever monsieur Parker. Ah, ouais. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Alors je ne crois qu'il ne faut pas dépasser. Ah merde! Merde. C'est pas grave, désolé pour le merde. J'aime bien dire merde de temps en temps, parce que ça me... Comptez-vous faire? Enlevez monsieur Pitcairn. Ça me libère. Quoi? Fais-moi confiance. Ça me fait je plaisir. Je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Quand même m'expliquer ce qu'il faut faire parce que...
Allez. En fait, il faut pas que je me fasse repérer tout simplement parce que sinon. Maintenant. Une nouvelle de France. Ah. Oh. Vous n'êtes que des voleurs et des canailles. On ne veut pas de votre fausse non. guerre. Oh! 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 Attrapez-le! Carrément! Bon! Bah maintenant, à nous, hein! J'ai pas compris, il y a eu un souci. Il y a eu un. Lâche-le, je sais pas, il y a que des bugs. Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça c'est bon, ça c'est fait, pas ta gueule, oh. Toi, alors non, pas deux fois. Toi, tu vas mourir. Ouais. Ah, voilà. Au départ, j'en souvenir du temps où vous étions frères. Avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu la connaîtras... Imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous, moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Aïe, aïe, aïe. Je regarde combien on en est. On est à 53 minutes. Oh! Je pense que ça peut être bien. On va en refaire une autre. Allez. Non, je pense que 53 minutes, ça va aller. J'étais en train de réfléchir, mais... Si on fait à chaque fois du 53 minutes, ça pourrait être pas mal, hein. Une heure, à peu près une petite heure de gameplay, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, on va se quitter là, et on raterrit au même endroit. Je vous parie que je raterris vraiment au même endroit. Dans les escaliers, vous voyez, au milieu, hop. Comme par magie, je vais aller dormir, je fais hop, et puis... Non, je plaisante. Allez, à tout de suite. Enfin, à plus tard. Ciao.